boulot avec ce 15, un peu plus de 15 au saut. C'est une très bonne note pour l'équipe. Elle ne participera pas à la finale puisqu'elle ne présente qu'un saut. En revanche, Anna Pavlova, que vous voyez à l'image, elle présente ici son deuxième saut, saut de difficulté 5,60. Pavlova, donc, va tenter de se qualifier pour la finale. Yurchenko 1, voilà, donc c'est posé, magnifique. C'est bien, ouais, c'est pas le même saut, c'est ce qu'on appelle le Nemov chez les garçons. Donc c'est un rondat de flip demi-tour, l'une salto avant tendu, demi-tour. Pavlova qui avait été médaillée au saut à Athènes, médaillée de bronze il y a 4 ans. Beaucoup d'expérience et de la haute compétition. Elle a fait beaucoup de finales au saut de cheval, donc elle est capable de gérer les deux sauts avec beaucoup de facilité. Hein. C'est parfait. C'est, je pense, même en dessous de son niveau, elle est capable de faire plus difficile. Peut-être va-t-elle tenter plus difficile pour la finale. Voilà, une réception vraiment bien stabilisée. Et je vois qu'elle est quand même très très affûtée techniquement. Elle est très mince, les muscles sont bien dessinés. Et là, sur ce que je vois du saut de cheval, sur l'équipe du RSS, c'est une équipe qui est prête. Hein. On va faire de bons jeux.